Après cette petite introduction, vous l'avez déjà compris, aujourd'hui on fait le tour du stand de Fête Grandeur d'Heure de l'Anime Japan 2017, un stand qui a pris en ampleur depuis l'an dernier. Fête Grandeur d'Heure est à l'origine un RPG pour smartphone avec plus de 8 millions de téléchargements. Il reprend l'univers du jeu et de la série animée Fate Stay Night dans un contexte différent. On retrouve donc le principe de maître et de serviteur. Dans Fate Grandeur d'Heure, pour une raison inconnue, l'avenir du genre humain est en danger. Pour en éradiquer la cause, vous allez devoir voyager dans le temps. Pour y parvenir, vous aurez besoin de recruter des serviteurs qui sont la réincarnation des grands noms de l'histoire et des mythologies. On y retrouve par exemple Jeanne d'Arc ou Marie-Antoinette pour rester dans l'histoire de France. Dans ce jeu aussi, l'effet conversion Bijojo fait des ravages. Voici par exemple Léonard de Vinci, appelé Da Vinci-chan. Ici, Jacques l'Éventreur. Sûrement pas assez vêtu pour passer l'hiver londonien. Les serviteurs sont représentés sous forme de cartes avec de magnifiques illustrations. Ces cartes décoraient une partie des murs du stand. On y reconnaîtra des personnages emblématiques du jeu. Voici ici des illustrations des équipements. Au centre, les drapeaux de Jeanne d'Arc et le sceptre de Da Vinci-chan. La lance Geiburg. Ainsi qu'Excalibur et son fourreau Avalon en taille réelle. Au vu de ces images, vous vous en doutez certainement déjà, mais Fate Grandeur d'Heure semble avoir énormément de succès au Japon. Ici, une frise chronologique retraçant dans le temps l'ajout des serviteurs dans le jeu. Ce jeu dispose de bien jolies séquences animées et aussi d'un long métrage diffusé à la télé japonaise le 31 décembre 2016. Ils exposaient justement des planches d'animation et autres documents qui ont servi à la réalisation des différentes animations. Ici, des explications sur les personnages. L'attraction principale du stand fut la possibilité de tester une version VR. Fate Grandeur d'Heure VR featuring Mashu Killie Light est un jeu développé en collaboration avec Sony Interactive pour le PlayStation VR. La démo vous proposait de passer quelques instants dans votre chambre avec votre première servante dans le jeu, Mashu, puis de participer à un combat d'entraînement, le tout parsemé de fanservice. Je résume bien sûr. Pour espérer tester ce jeu, il fallait réserver à l'avance et faire une longue file d'attente bordée de belles illustrations pour vous faire patienter. Ce qui attire ici les foules, c'est l'arme de Mashu, le tout animé de projections. On finit le tour du stand avec une exposition de personnages du jeu. Je vous laisse sur ces images du coin reproduisant l'atelier de Da Vinci-chan, que reconnaîtront sûrement les joueurs de Fate Grandeur d'Heure. Ces décors étaient à proximité de l'entrée de l'Anime Japan 2017, ce qui m'a mis de bonne humeur dès l'entrée du salon. Merci d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager pour nous aider à poursuivre nos reportages. Et n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Sore dewa, sayonara !